humaine, les êtres humains essaient toujours d'être meilleurs, plus intelligents, plus rapides, plus forts. C'est en partie ce qui nous définit. Mais depuis 3,5 milliards d'années, la nature déploie des trésors d'ingéniosité pour relever les défis de la vie. Bien des problèmes auxquels nous nous attaquons ont déjà été résolus par l'évolution. Le règne animal est plein de ressources. On peut y survivre à une chute vertigineuse. Ouais ! Il s'est détaché ! Ne jamais se mouiller. Je suis bluffé. Ou encore, encaisser des chocs d'une force de 1200 G. Ensemble, nous découvrirons les facultés extraordinaires de certains animaux. C'est ahurissant. Et comment elles ont inspiré à l'homme des inventions qui se situent aux frontières de la science. Il roule tout seul. C'est génial. Nous irons aux quatre coins du monde affronter des situations invraisemblables. On ne sait jamais quelle surprise nous réserve le monde animal. Cette attente, ça me tue. Car la nature fait des miracles. Quand on s'inspire de la nature, et ça a commencé quand l'homme des cavernes s'est mis à porter des peaux de bêtes et à fabriquer des outils en os qui rappelaient les crocs et les griffes, on en arrive forcément un jour ou l'autre à ce rêve impossible pour l'homme, mais qu'on peut observer chez certains animaux. Voler. En 1485, Léonard de Vinci a conçu une machine volante en observant les oiseaux. Ça tombe sous le sens. Il faut chercher son inspiration dans le ciel et admirer par exemple ces oies cendrées qui font avec tant d'élégance ce dont nous sommes incapables. Chez l'animal, l'aptitude à voler est essentiellement une question d'anatomie. En général, plus un oiseau est corpulent, et plus il a une grande envergure. C'est logique. Mais pas systématique. Cet oiseau-là, avec ses ailes relativement petites par rapport à sa taille, a l'air aussi gracieux que moi quand il s'agit de voler. Et pourtant, c'est ce rapace qui a aidé à concevoir un engin révolutionnaire. Un nouveau moyen de transport qui pourrait changer à jamais notre façon d'explorer la planète. Lui, c'est Cody, un vautour du Cap. Et ça, c'est pas pour la frime. Il a un sacré bec, et les yeux pour lui, c'est appétissant, apparemment. Pour savoir ce qui fait la spécificité de cet animal, je vais devoir monter plus haut. Beaucoup plus haut. Le vent est bon, tu es prêt? Non. C'est parti. Oh là là. Cale-toi bien dans le harnais. Je suis bien calé. On est trop près de la falaise. T'as vu, c'est à pic. Je veux pas être un vautour. L'homme qui m'accompagne dans cette aventure, Walter Nesser,
est un spécialiste des vautours et aussi un très bon parapentiste. Tout va bien? J'ai peur. Méga peur. Regarde là-haut sur ta gauche. Wow! Il y en a des millions! On peut les approcher? Il nous faut un thermique. Autrement dit, une colonne d'air chaud ascendante qui se forme sous l'effet du réchauffement du sol par le soleil. Ça a l'air d'un truc cool dit comme ça, mais ça ne l'est pas. J'aime quand ça secoue. Mais le jeu en vaut largement la chandelle. Regarde, ils viennent vers nous. Et on tourne avec eux. C'est hallucinant. On est dans le même thermique. C'est fabuleux. Cette région abrite un tiers de la population totale de vautours du Cap. Et c'est à croire qu'ils sont tous autour de moi. Je n'aurais jamais cru que ces oiseaux qui battent si maladroitement des ailes au sol pouvaient planer avec tant d'élégance. Ils profitent de la force ascensionnelle des courants verticaux pour s'élever dans les airs sans presque aucun effort. En passant d'un thermique à l'autre, portés par leurs ailes courtes et rigides, ils peuvent parcourir plus de 150 km sans se poser. Ces qualités de vol exceptionnelles ont inspiré la création d'un moyen de transport totalement novateur. Voici le Super Aviator. Ce n'est pas ce que vous croyez. Car malgré son nom et son profil aérodynamique, voilà un avion qui ne s'envolera jamais. J'ai la tête dans un saladier. Super. Il n'est pas conçu pour sillonner le ciel, mais pour explorer les mers. Son propriétaire, John Joe et Lewis, m'a invité à faire un petit tour. Marche avant. On descend. Alors, dis-moi si je me trompe. On vole même si on est sous l'eau. Absolument. En fait, les ailes sont à l'envers. C'est aussi simple que ça. Oui, elles nous maintiennent non pas dans les airs, mais sous l'eau. On est dans un sous-marin volant. Et on descend de plus en plus. Destination finale, le fond de l'océan Pacifique. Là, on s'engouffre dans une vallée. Ça me stresse légèrement. Oh, regarde, une grosse raie sur ta droite. Tu plaisantes? Non, elle est magnifique. Mais on n'est pas là pour observer la vie marine. John me conduit vers une épave sur un récif corallien artificiel. Une sorte de terrain de jeu où il va pouvoir utiliser Super Aviator au maximum de ses capacités. C'est parti. C'est magnifique. Sacrée démonstration. Mais la ressemblance avec le rapace n'est pas franchement frappante.
On est dans un oiseau qui vole sur le dos, sous l'eau, et ce qui nous rapproche du vautour, c'est qu'on a un gros corps et en comparaison de petites ailes massives. Oui, elles sont courtes, ce qui nous permet de circuler dans des espaces étroits et de manœuvrer autour des épaves sans heurter quoi que ce soit. Le vautour a une faible envergure pour pouvoir rester à l'intérieur des thermiques. S'il avait des ailes plus longues, ton sous-marin volant ne serait pas aussi maniable. C'est ça. C'est ce qui explique qu'on puisse manœuvrer comme on le fait, en s'aidant au maximum de la configuration des ailes. La poussée de l'eau a remplacé la force ascensionnelle de l'air. Le sous-marin devient l'image renversée de l'oiseau. Comme ce dernier, il a besoin de beaucoup d'énergie pour s'élancer. Mais une fois qu'il a quitté la surface, il n'a plus qu'à se laisser planer. Et maintenant, il faut remonter. On tire à fond sur le manche. Oh, c'est raide! 30 mètres. Ouais. 24 mètres. On sent la pression. Je vois la surface de la mer qui se rapproche. J'ai l'impression... 15 mètres. Qu'on va dans le mur. 6 mètres. Prêt pour émerger. Et voilà, on y est. C'est... Oh, ça fait du bien. Un sous-marin conçu d'après le vol plané d'un vautour, voilà qui n'est pas très logique, je vous l'accorde. Mais quand l'homme va chercher son inspiration dans la nature, le résultat n'est pas toujours celui qu'on attend. La lumière se fait parfois de façon indirecte. L'évolution nous a laissé un héritage prodigieux. ...10 000 espèces d'oiseaux. Près de 30 000 espèces de poissons. 8 000 espèces de reptiles. Plus d'un million d'espèces d'insectes. Et au moins 5 400 espèces de mammifères. Des organismes de toutes les tailles et de toutes les formes... ...qui nous aident, nous les hommes, à accomplir des choses qui jusque-là nous semblaient impossibles. Il va de soi que pour survivre, une espèce doit pouvoir se protéger. Les tortues, par exemple, se réfugient sous leur carapace. Quant aux mouflons, ils ont un crâne exceptionnellement épais. Leurs combats sont très violents. Heureusement qu'ils sont protégés. Le seul cas où un être humain subit un choc d'une force équivalente, c'est quand il est victime d'un accident. Quand on conduit une moto ou qu'on est pilote de course, rien ne vaut la protection d'un casque. Je sais de quoi je parle. Je dois la vie à celui-ci. Pour s'assurer de sa conformité aux normes de sécurité, chaque modèle est soumis à un test d'impact. Mais pas n'importe quel test. Le lâcher s'effectue depuis une hauteur de 15 mètres et se termine sur un cylindre en acier. Ça revient à percuter un lampadaire à 100 km/h. Et malgré la violence du choc, le casque est intact. Mais est-ce suffisant? La nature n'aurait-elle pas mieux à offrir? Il est là. Voici le pique-pêche. Le marteau-piqueur le plus efficace du règne animal. Il est capable de percer des trous de 10 cm dans les troncs d'arbres pour dénicher des larves de vers à bois. Le martèlement subi par le cerveau de cet oiseau est d'une rare violence.
Ce qu'il faut savoir, c'est tout simplement ahurissant. C'est que chaque fois que le bec du piquet-pêche vient frapper le tronc, sa tête est soumise à une force de 1200 G. C'est énorme. Lors d'un accident, quelques dizaines de G suffisent à tuer un homme, même protégé par un casque. Comment son cerveau encaisse-t-il de tels chocs sans se transformer en bouillie ? Alors qu'un casque est composé de deux couches protectrices, on peut dire que le piquet-pêche en a quatre. Tout d'abord, le bec, à la fois dur et souple, il absorbe une partie de l'impact initial. Ensuite, il y a une couche élastique qui part de la base de la langue et recouvre tout le crâne. Le crâne lui-même, par sa rigidité, offre une certaine protection. Et enfin, une couche d'os spongieux enveloppe le cerveau. L'effet combiné de ces quatre éléments permet au pic de supporter des chocs qui nous laisseraient sur le carreau. Comment pourrions-nous mettre à profit cette étonnante faculté ? L'ingénieur John Powell s'est inspiré de ce système d'amortisseurs pour fabriquer un dispositif novateur destiné à l'homme. Franchement, John, ça ne ressemble pas du tout à un pic. Non, mais on a recréé à l'identique l'intégralité de son mécanisme protecteur dans ce cylindre. D'accord. Donc la partie extérieure en fibre de carbone, c'est le bec. Il absorbe une partie de l'impact, ce qui réduit la transmission du choc à cette couche isolante en... C'est de la ouate ? Oui. Oui. Donc normalement, ça protège la couche intérieure. Ça, c'est le crâne du pic. Il est en fibre de verre. Une matière fibreuse comme l'os, mais plus rigide, ce qui empêche les chocs latéraux de se propager vers le centre. Comme la boîte crânienne de l'oiseau, dont l'enveloppe extérieure ne laisse rien passer à l'intérieur. Même si l'onde de choc atteint cette couche, ça ne bouge pas, c'est plus rigide. Ça fait barrage. Et après ? On utilise des microbilles pour recréer l'os interne du crâne. L'os spongieux ? Oui. Elles viennent d'où ? On les trouve dans les petits coussins de voyage. Vous savez, ces trucs qu'on se met autour du cou ? Oui. C'est ce qu'il y a dedans. Il ne nous reste plus qu'à procéder au test d'impact. Pour vérifier l'efficacité du dispositif, on va glisser un objet fragile à l'intérieur du cylindre. Quelque chose de ce genre. Mais non, non, pas tout ça. Ça. Une ampoule. Objet fragile s'il en est. On a du verre très fin et le filament à l'intérieur. Quand j'en achète, elle n'arrive jamais entière chez moi. Et je ne vois pas comment cette chose survivrait à une chute depuis une table de cuisine. Et pourtant, aujourd'hui, on va la lancer depuis l'espace. Alors, voilà comment ça va se passer. J'en reviens toujours pas d'être là. Le cylindre contenant l'ampoule sera suspendu au module qui sera attaché à ce ballon sonde rempli d'hélium. L'hélium étant plus léger que l'air, le tout va grimper jusqu'à atteindre les limites de l'atmosphère et, eh bien, pénétrer dans l'espace. Ça a l'air idiot dit comme ça, mais c'est là qu'il va. Et une fois qu'il sera là-haut, sur Terre, dans le centre de contrôle, la camionnette là-bas, ils vont appuyer sur un bouton, le module va se décrocher et redescendre sur Terre, avec notre ampoule. Après ça, on verra bien. On pourra le retrouver grâce au GPS et on ira voir. On va dans l'espace. Procédure de lancement. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feu!
C'est parti. Dans cette direction. Il grimpe. Au revoir, l'ampoule. Et bonne chance. Le ballon s'élève à une vitesse impressionnante, environ 300 mètres par minute. Il est déjà hors de vue. C'est le moment d'aller faire un tour au centre de contrôle. Regardez, on le voit. C'est vraiment l'arrondi de la Terre ou un effet d'optique? C'est bien l'arrondi de la Terre. C'est bien ça. Oui. Si ça marche, le cylindre va se détacher et commencer à... À votre signal, j'essaie. Le voilà. Allez-y. Oui! Ouais. C'est bon. Il s'est détaché! En quelques secondes, le cylindre atteint la vitesse du son. Façon de parler naturellement, puisqu'il n'y a pas de son dans l'espace. Et pourtant, même à un peu plus de 1100 km/h, la descente va durer 15 bonnes minutes. Ça, c'est du test d'impact. Maintenant que le cylindre est hors de vue, l'équipe fait exploser le ballon sonde. Grâce au parachute qui se déploie automatiquement, émetteurs et caméras vont pouvoir se poser en douceur. Notre cylindre n'a pas cette chance. Lorsqu'il pénètre dans l'atmosphère, la caméra embarquée réintègre brutalement son boîtier. Aucun pic et pêche n'a jamais volé à 1100 km/h, ni fait une chute de 26 000 mètres. Mais le système de protection de son cerveau va peut-être nous permettre de récupérer notre ampoule en un seul morceau. Nous nous mettons en route pour retrouver le cylindre. Mais une fois sur place, le signal radio n'est pas concluant. À la tombée de la nuit, nos recherches n'ont toujours pas abouti. Certains animaux ont des sens bien plus développés que l'homme. Allô, je suis dans la mine d'or. J'ai accepté de participer à une expérience plutôt inhabituelle. J'arrive à une porte en bois un peu déglinguée. Il faut que j'essaye de... Allô, vous m'entendez? Allô? C'est normal qu'ils ne m'entendent pas, la radio ne fonctionne pas ici. Quant à mon portable, ça fait longtemps qu'il ne capte plus rien, pas de réseau. La communication est totalement coupée entre ici et la surface. Et ça pose un problème, car dans environ 30 secondes, ils vont faire exploser la seule entrée de la mine.
À ce qu'il paraît, si je n'ai plus de réseau, c'est que je me suis suffisamment éloigné et que je ne crains plus rien. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font. Alors voilà la situation. Je suis coincé au fond de la mine. Et je n'ai aucun moyen de dire à personne là-haut, ni où je suis, ni comment je vais. Ma seule chance de survie se trouve à l'autre bout de la planète, en Afrique. Plus précisément, la solution à mon problème est un animal. Le plus gros du continent. L'éléphant. D'après les scientifiques, les pachydermes peuvent communiquer entre eux sur des distances considérables, uniquement grâce aux vibrations qui se propagent dans le sol. La spécialiste Kate Evans m'a proposé une séance de travaux pratiques. Ça, si j'ai bien compris, c'est une enceinte. Un sacré truc. Oui. Et elle est dirigée vers le sol. Dans un appartement, ce serait une aberration. Mais ici, c'est différent. En fait, elle est censée représenter un éléphant. Vous me suivez ? Oui. Un très gros éléphant, du genre qu'on n'aimerait pas croiser dans la savane. On pense que l'énergie traverse le sol et ressort. L'enceinte doit donc être parfaitement fixée. D'accord. À moi le marteau. Frappez fort. Bien. Clouer une enceinte dans le sable, voilà qui peut paraître absurde. Mais c'est à cette seule condition qu'on pourra faire passer les vibrations de basse fréquence. C'est carrément palpitant. On va jusqu'à reproduire le poids de l'animal en empilant des sacs de sable sur l'enceinte. Ensuite, on file se mettre à l'abri. Sur cette bande, qui dit quoi au juste ? On a enregistré une femelle qu'on connaît. Elle était en chaleur, c'est-à-dire prête à s'accoupler. Ce qu'on espère, c'est que son appel va attirer les mâles. Des mâles ont été repérés à moins de 2 km. Et la rivière dans laquelle ils sont fait pas mal de bruit. Y a-t-il la moindre chance pour qu'ils captent notre signal ? On va bientôt être fixé. L'appel de la femelle n'est pas transmis par l'air. Par conséquent, Kate et moi, on ne l'entend pas. Mais on voit bouger l'enceinte. L'appareil a été déclenché à une heure précise, convenue à l'avance avec l'autre équipe. La réaction des mâles ne se fait pas attendre. Dans un bel ensemble, les trois pachydermes remontent la berge. Mais on n'a aucun moyen de savoir si ce sont nos fausses promesses qui les titillent. Malheureusement, les fourrés épais empêchent l'équipe de prise de vue d'avancer. Elle ne parvient plus à suivre les pachydermes qui s'évanouissent dans la nature.
Elles sont là. Soudain, alors qu'on ne les attendait plus, les voilà qui apparaissent. Ils sont droits. Ils viennent droit sur nous. Ouais. Lui, il cherche quelque chose. Ouais. Il a une idée derrière la tête, hein. Le mâle qui est en tête est clairement intéressé. Imaginez sa déception lorsqu'au lieu d'une femelle toute frétillante, il découvre un gros tas de sacs. L'hypersensibilité des pachydermes aux vibrations pourrait-elle m'aider à sortir vivant de ma mine d'or californienne? Alors, ceci n'est pas un éléphant, mais un ELF, un émetteur d'ondes d'extrêmement basse fréquence. Il va nous permettre, du moins je l'espère, de communiquer un peu comme les éléphants, à travers un matériau solide, la pierre, c'est pas ce qui manque ici. Je vais assembler l'appareil. L'ELF fonctionne exactement comme notre pied d'éléphant, à la différence près que l'enceinte est dirigée vers le plafond. Cette pièce sert à connecter le dispositif à la roche. Bien sûr, vous le savez, il arrive malheureusement que des gens restent coincés dans les mines. Pour de vrai, sans équipe de télévision, et surtout sans aucun moyen d'entrer en contact avec l'extérieur. Et parfois, les conséquences sont terribles. Cet émetteur pourrait les sauver. Il a été conçu pour fonctionner sur 12 volts avec une batterie de voiture, ce qui est très pratique quand on se retrouve ici au fond d'une mine. Je prends le boîtier de commande. Chaque chiffre correspond à un secteur. Toutes les mines comme celle-là sont divisées en différentes zones. Si je me mets sur 5, je suis en train de leur dire, c'est parti, que je me trouve dans le secteur 5. Je peux aussi leur dire que la qualité de l'air est bonne. Ils savent donc où je me trouve et comment je vais. En tout cas, je leur ai dit. Je sais que le signal est parti et qu'ils traversent la roche. Ce que j'ignore pour l'instant, c'est s'ils reçoivent ces informations vitales pour moi. Autrement dit, serions-nous capables, comme les éléphants, de capter les vibrations en surface? 30 mètres au-dessus de ma tête, les inventeurs de l'ELF, Jim Squire et Jay Sullivan, sont convaincus d'y arriver grâce à ce petit cylindre planté dans le sol. C'est le récepteur qui capte les vibrations et les transmet à l'ordinateur. Début de l'acquisition. Vu la profondeur, les informations devraient nous parvenir dans 10 secondes environ. On commence à avoir un signal. C'est bon. Secteur 5, air de bonne qualité. Logiquement, ce serait le moment d'envoyer les équipes de sauvetage. Mais ce ne sera pas nécessaire. Eh bien, non, on ne m'a pas enfermé dans une mine dont on a fait exploser la seule sortie. Ça aurait été trop compliqué pour les assurances. Mais l'important, c'est que ça a marché. Merci les gars. Et merci aussi à l'éléphant d'Afrique. Son hypersensibilité aux vibrations permettra peut-être d'améliorer la sécurité dans les mines et de sauver des vies. C'est bien la preuve que très souvent, il existe un animal quelque part qui est bien plus performant que l'être humain. Ce n'est pas très surprenant d'ailleurs, puisque l'évolution a commencé il y a 3 milliards et demi d'années. Et c'est tant mieux, ça veut dire qu'on a toujours plus à apprendre de la nature. À propos, qu'est devenue notre ampoule? Rappelez-vous, un piquet-pêche nous a donné l'idée de lancer une ampoule depuis l'espace.
mais elle a disparu à l'atterrissage. Bonjour. Bonjour. Vous avez un colis au nom de Hammond ? J'ai été prévenu par téléphone que le cylindre a enfin été retrouvé et qu'il m'a été expédié près du lieu de tournage. Mon permis, ça ira ? Je me suis précipité. J'ose pas regarder. Voici la boîte avec l'ampoule. Je n'aurai plus jamais un objet aussi précieux entre les mains. Elle est là. Intacte. Et elle vient de l'espace. Il n'y a ni parachute, ni magie. Je dois encore faire un test. J'ai vu qu'il y avait une lampe. Elle marche. Oui. Il se pourrait bien qu'elle fonctionne. Celle-là, bah, elle n'est pas allée dans l'espace. Celle-ci, oui. Si elle s'allume, autant pour moi. Parce que quand le réalisateur a lancé l'idée, j'ai dit non. Oh. C'est hallucinant. Là-bas, il y a un homme heureux. Je lui avais dit qu'on allait trop loin, que ça ne marcherait jamais. Cette ampoule a été envoyée dans l'espace et lâchée. À 26 000 mètres d'altitude exactement. Elle a atterri sur des rochers, dans la montagne, et il a fallu des jours pour la retrouver. Sa seule protection, c'était ce boîtier fait maison. On a pris pour modèle le crâne du Pic Épêche, qui est capable d'encaisser plusieurs centaines de G. L'ampoule, elle, a atterri après une chute libre depuis l'espace. Je suis bluffé. À ce jour, plus d'un million d'espèces animales ont été répertoriées sur la planète. Mais d'après les scientifiques, elles seraient en fait 8 ou 9 fois plus nombreuses. Qui sait ce que certaines d'entre elles auraient à nous apprendre? Quelles solutions pourraient-elles apporter à nos innombrables problèmes? Notre incapacité à voir dans le noir, par exemple. Je vais vous demander de regarder les 30 prochaines secondes très attentivement. Dans quelques minutes, un deuxième cycliste va emprunter le même sentier. Enchaîner les mêmes virages. Franchir les mêmes bosses. À un détail près. Lui est aveugle. Comment une telle chose est-elle possible alors que tout ce que voit cet homme, c'est du noir? Pour le savoir, on va d'abord observer un animal qui passe la majeure partie de sa vie plongé dans l'obscurité totale. Un animal qui peut se déplacer dans ses grottes sans utiliser de lampe frontale. Mieux encore, sans utiliser ses yeux. Je veux parler des chauves-souris, naturellement. Tout le monde sait qu'elle se repère parfaitement dans le noir. Un spécialiste, Dean Waters, va me montrer toute la complexité de leur système de guidage. Vous en avez une ? Oui, c'est une roussette d'Égypte. Salut, roussette d'Égypte. Elle est super mignonne. Parce qu'il y en a d'autres qui, franchement, ont l'air... un peu bizarre. Oui, c'est pas pour être méchant, je suis sûr qu'entre elles, elles se trouvent charmantes.
Mais disons que celle-ci, selon nos critères à nous, elle est toute jolie. Elles ont de grands yeux, de jolies oreilles très mobiles. Elles les remuent tout le temps. Et elles se repèrent par écholocation. Elles ouvrent la bouche et émettent des cliquetis de chaque côté en claquant la langue, comme ça. C'est tout. C'est très simple. C'est pas un mécanisme spécial, juste la langue. Un cliquetis, c'est tout. Et pourtant, ce simple son permet à la roussette d'Égypte de se déplacer dans le noir avec une précision extraordinaire. D'après Dean, elle serait même capable d'établir une carte très détaillée des lieux. Cette carte serait-elle conforme ? Le moment est venu de tester l'extraordinaire système d'écholocation des chauves-souris. À l'aide d'une savante combinaison de crochets, de clochettes et de cordes, on aménage un slalom spécial roussette. Ok, Dean, on éteint tout et on fait le point. Notre plan a un gros point faible, malheureusement. On ne voit pas s'il fonctionne. Certes, on n'entend aucune clochette sonner, mais qui nous dit que les chauves-souris n'ont pas toutes filé en douce ? Réflexion faite, on décide d'installer une caméra de vision nocturne et une lampe à infrarouge. Les roussettes seront toujours dans le noir, mais nous, au moins, on pourra les voir sur l'ordinateur de Dean. Ça marche, sauf que la grotte semble totalement vide. Une chauve-souris apparaît enfin. Elle réalise un exploit tout bonnement prodigieux. Passera, passera pas. Le mouvement était absolument parfait. Elle a replié ses ailes. Elle savait exactement où se trouvaient les cordes. Et de deux. En voilà une autre. Ce système soi-disant primitif permet à la chauve-souris de repérer le moindre petit obstacle. Et avec une telle précision qu'elle ne replie ses ailes qu'au tout dernier moment. Ça a l'air facile vu comme ça, mais ça ne l'est pas. Il s'en passe des choses pour que ces roussettes puissent voler dans le noir. C'est un petit être merveilleusement complexe. Si une chauve-souris peut utiliser des sons, une série de cliquetis, pour voir dans le noir, on peut peut-être y arriver, nous aussi. Le professeur Brian Hoyle pense avoir touché au but. Il s'est inspiré de la technique de repérage de la roussette pour fabriquer une canne pour aveugle. Ce n'est pas une vague copie, c'est un vrai système d'écholocation. Ça y ressemble beaucoup. Essayez. Bon, alors. Ça bip, c'est vous ? Oui. Elle vous a repéré, regardez. Et si je l'éloigne, ça s'arrête. Je vais me mettre derrière vous. Là, je vous ai senti. Je vous explique. La canne émet un son, comme la chauve-souris, et analyse l'écho qu'il produit en rebondissant sur un objet. Exactement comme nos roussettes. Et elle émet une vibration. C'est ça. Ici, je la sens dans le pouce. Si j'avance, oh, elle a trouvé quelque chose. Doucement. Ça vibre. Bien. Et si je m'éloigne, ça s'arrête. Allez, avec le bandeau, faisons les choses bien. Bon, voyons si j'arrive à faire en quelques minutes ce que la roussette d'Égypte a mis des millions d'années à mettre au point. Rien. Ah, objet sur ma droite. Attention, j'ai quelque chose sur ma gauche et sur ma droite. Là, il y a un truc.
Oh, ah. C'est un mannequin, c'est ça? Je suis en train de comprendre qu'on peut dresser une carte des lieux. Par contre, je suis complètement déboussolé. J'étais loin du compte. Vous vous êtes très bien débrouillé. Et je crois que vous n'avez rien heurté. Rien du tout. Ce n'est pas un coup de chance. C'est grâce à mon cerveau. Voilà comment ça se passe. L'information parvient au cerveau où elle est traitée par la même zone que celle qui est impliquée dans la vision. C'est ça. Quand on dit qu'on utilise cette canne pour voir, c'est tout à fait exact, puisque l'image se construit dans le système de la vision. Si on considère que c'est le cerveau qui voit et non les yeux, ouais, vous voyez. C'est ça. Et c'est ce qui est remarquable. Notre cerveau est capable de s'adapter en un temps record et de modifier la fonction des organes des sens. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas aller plus loin et s'inspirer du sonar des chauves-souris pour permettre aux aveugles de faire ce qu'ils n'envisageraient même pas. J'ai donc démonté deux cannes, et voilà mon œuvre. Le vélo chauve-souris. Je vous explique. Ce n'est qu'un prototype, mais le principe est le même. On a une canne sur chaque bras du guidon, avec les dispositifs de contact qui acheminent les signaux depuis ces détecteurs sur le guidon et ces deux détecteurs supplémentaires. Grâce à ce flux d'informations, le cycliste aveugle devrait pouvoir faire du VTT sur un sentier de VTT. Je le dis tout haut, c'est beaucoup demandé, mais ça pourrait marcher. Les ingénieurs qui se sont penchés sur mon vélo chauve-souris ont apporté quelques petites améliorations. Mais le principe reste le même. Ces appareils émettent et reçoivent une série de cliquetis. Et deux boutons vibreurs informent le cycliste des obstacles à venir. L'heure de vérité est arrivée. Et je ne sais pas lequel est le plus stressé des deux, le cobaye ou moi. Dan Smith a 21 ans et il est passionné de vélo. Atteint d'une maladie génétique rare, il a perdu la vue il y a 9 mois et n'est plus jamais remonté seul sur un vélo. Ça ne se voit pas, mais croyez-moi, Dan est totalement aveugle. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Dan n'a eu que quelques heures pour s'entraîner. Mais grâce aux chauves-souris, son cerveau parvient à voir le sentier. Quelle meilleure preuve que cette technologie inspirée de la nature fonctionne. C'était génial. C'est super de pouvoir refaire du vélo à une place. Ça marche puisque j'ai pu faire le parcours tout seul. Je suis vraiment content. Naturellement, ce n'est pas tout de suite que nous verrons des cyclistes malvoyants sur nos routes. Mais pour la première fois de leur vie, il leur est permis d'espérer. Avoir un sens hyper développé, c'est sympa, mais surtout très utile. Mieux voir ou mieux entendre est un avantage précieux dans la nature. Mais qu'en est-il de l'animal qui, justement, ne veut pas être vu ou entendu?
Eh bien, là aussi, l'évolution a trouvé une solution. Cet endroit est très spécial. À cette époque de l'année, une ou deux fois par semaine, un phénomène unique se produit ici, tout près. Et cette plage, qui n'est pas franchement facile d'accès, attire des gens du monde entier. Tous espèrent voir et entendre quelque chose qu'il est impossible d'observer d'aussi près ailleurs sur la planète. Ça va commencer d'une minute à l'autre. On n'a plus qu'à regarder et attendre. Ça y est, le voilà. Le vol hebdomadaire 785 en provenance d'Amsterdam. Ils sont là pour ça, je le sais. Car nulle part ailleurs dans le monde, il n'est possible d'assister d'aussi près à l'atterrissage d'un jumbo jet. Le vacarme est assourdissant. Et le plus incroyable, c'est que ce bruit provient surtout non des moteurs, mais des tourbillons d'air qui se forment autour de l'appareil. Autrement dit, des turbulences! Il y en a! Beaucoup! Ces turbulences se forment dès qu'un avion pénètre dans l'air, mais quand même. Il doit être possible de voler plus discrètement. Prenez la chouette hulotte, par exemple. Voler silencieusement lui permet de surprendre sa proie. Et aussi de l'entendre sans être gêné par son propre battement d'ailes. Pour comprendre ce qui rend ce phénomène si exceptionnel, nous allons faire un petit test. D'abord, avec un pigeon. Observez ce qui se produit lorsqu'il survole un tas de plumes. Il provoque ce qu'on appelle une turbulence. On recommence l'expérience avec une chouette cette fois. Les plumes se soulèvent à peine. Comment une telle chose est-elle possible ? L'aile de la chouette présente trois particularités. Lorsqu'elle fend l'air, ses dents minuscules empêchent la création d'un gros tourbillon à l'avant. Puis, la surface veloutée emprisonne l'air à la surface de l'aile. Enfin, l'extrémité ébouriffée des plumes amortit le frottement à l'arrière. Alors, j'ai eu une idée. Pourquoi ne pas essayer de fabriquer une aile d'avion sur le modèle d'une aile de chouette ? Je n'ai trouvé qu'un endroit où on me laisserait faire ce que je voulais. Un cimetière d'avion.
J'ai dû improviser. Question matérielle, tout ça. Bienvenue dans le monde de la science. Et voilà, tout y est. Les boîtes à œufs donnent un aspect dentelé au bord d'attaque pour réduire le flux d'air en mini-vortex. Le tapis dufteux pour disperser l'énorme masse d'air perturbée et réduire le bruit. Et le bord de fuite découpé en pointe, également pour amortir le bruit. Alors, pourquoi les ailes d'avion ne sont-elles pas toutes comme ça? Eh bien, parce que ce n'est pas si simple. Apparemment, mon système est un peu encombrant. Les boîtes à œufs et le gros tapis ralentiraient beaucoup trop l'appareil. Et aussi, la bande de lino gênerait le mouvement des volets utilisés pour atterrir. Que les touristes de Saint-Martin se rassurent, la science n'est pas prête de leur gâcher le plaisir. Tout n'est pas perdu pour autant. La technologie du vol silencieux pourrait s'appliquer à des ailes plus petites. Des ailes attachées à un ventilateur. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. D'accord. A priori, un ventilo silencieux, c'est moins excitant qu'une gigantesque aile d'avion toute pleine de poils. Mais ça pourrait se révéler plus utile que vous ne le pensez. Imaginez que les ordinateurs soient silencieux. Et les sèche-cheveux, les aspirateurs, les champs d'éoliennes, les climatiseurs. Les ventilateurs posent en effet les mêmes problèmes de turbulence que les avions. Pour réduire le frottement de l'air, les inventeurs de cet appareil ont repris une des caractéristiques des ailes de chouette. Les pales sont dentelées. Le résultat est surprenant. Ce ventilateur est extrêmement silencieux. Même pour les oreilles les plus fines. Ainsi, en s'inspirant de la façon dont une chouette protège son ouïe super développée contre son propre battement d'aile, on pourrait rendre notre monde bruyant un peu plus silencieux. Du moins, jusqu'à l'arrivée de l'avion suivant. Parfois, les sujets d'inspiration que nous offre la nature sont juste sous notre nez. Les moustaches, par exemple. On pense qu'elles servent à éviter aux chats de se coincer la tête à travers les barreaux d'une grille. En fait, c'est bien plus complexe. Et voilà l'animal le mieux indiqué pour vous le prouver. Les phoques passent le plus clair de leur temps dans des eaux troubles où la visibilité est proche de zéro. Pourtant, ils pourchassent leur proie avec une précision inouïe. Et le plus incroyable, c'est qu'ils les débusquent avec leurs moustaches. Henry le phoque va nous montrer sa technique. Salut Sven. Salut. C'est Henry. Oui, c'est lui. Salut Henry. Allez, dis bonjour. Normalement, je vous déconseillerais de faire comme moi. Le phoque aime mordre. Mais Henry est particulièrement conciliant et avec le scientifique Sven Viskotten, ils forment une équipe soudée. Et quand il fait ça... Pourquoi il a envie de travailler avec vous? Facile à deviner. Ok. Il aime le poisson, c'est ça? C'est ça. Tout ce qu'il nous faut, c'est un sous-marin télécommandé,
un phoque sympa et un bandeau. Vous allez bander les yeux d'un phoque ? Oh, c'est facile, on s'est entraîné. Il saute dans le bandeau. Je vous crois pas. Il saute dedans. C'est incroyable ! Henry obéit sagement et se met en place. Sven lui met sur la tête un casque qui diffuse un bruit rose. Une sorte de fond sonore à niveau constant qui masque tous les sons extérieurs. Henry ne voit rien, et tant qu'il a le casque sur les oreilles, il n'entend rien non plus. Bon, j'attends votre signal. Allez-y. C'est parti. J'ai pour mission de télécommander le modèle réduit. Je peux l'envoyer où je veux. Et Henry sait que s'il le trouve, il aura droit à un poisson. Mais il ne peut s'élancer que lorsque le sous-marin est complètement à l'arrêt. Par conséquent, ni le bruit du moteur, ni aucun clapotement ne peuvent l'aider à le localiser. Henry, à toi de jouer. Il l'a trouvé ! Avec les yeux bandés. Oui, c'est très facile pour lui. Sven fait clapoter l'eau pour aider Henry à revenir au ponton. Il est aveugle et il n'y avait rien à entendre puisque j'ai arrêté l'appareil. Oui. C'est ahurissant. Et il en redemande. Nous faisons le test plusieurs fois en changeant de trajet. Henry retrouve toujours sa cible. C'est fantastique. Et le plus impressionnant, ce n'est pas tant le résultat que la technique utilisée. Car Henry emprunte exactement la même trajectoire que le sous-marin. Bravo! En fait, il atteint sa cible grâce à ses moustaches. Elles sont tellement sensibles qu'elles captent les turbulences causées par le déplacement du sous-marin. C'est hallucinant! On la refait. Si on reprend l'idée et qu'on l'applique à une plus grande échelle, on obtient un résultat plutôt sympa. Ce camion est un Terramax, un véhicule militaire de 10 tonnes et 6 roues motrices. Je suis seul à bord et je ne tiens pas le volant. Oui, il roule tout seul. C'est vrai, il n'est ni télécommandé ni guidé par un système GPS amélioré. Et il n'y a pas de conducteur caché. Alors, la question est, comment sait-il où il va ? Eh bien, il a des moustaches. D'accord, mais où sont-elles ?
précisons tout de suite que ce sont des moustaches d'un genre très spécial. Elles sont invisibles. En fait, ce sont des lasers. Ce cylindre rotatif sur le toit en contient 64. Et chacun tourne sur lui-même 15 fois par seconde. Ce qui revient à dire que le dispositif permet de cibler chaque seconde 1 300 000 points dans le terrain environnant. Concrètement, voilà ce que ça donne. Chaque petit point sur l'écran correspond à un point détecté par un poil de la moustache laser. Le traitement de l'information prend 2 ou 3 secondes. Et c'est une carte incroyablement précise qui se dessine. L'idée est de permettre à un convoi de véhicules logistiques de traverser les lignes ennemies sans mettre en danger des vies humaines. Mais que se passe-t-il lorsqu'un camion tombe sur un obstacle inattendu? Quelque chose de ce genre. 12 balises de chantier remplies de ciment. Je devrais être terrorisé, mais non. D'une certaine façon, c'est jouissif. Ce truc a une personnalité. Il est aussi vivant que peut l'être un camion. Jusqu'où ira le progrès? Où s'arrêtera-t-on? Quand viendra le jour où quelqu'un vous dira « Vous ne prenez plus le volant, j'espère ». Pourquoi conduire vous-même? C'est dangereux et irresponsable. C'est ça l'avenir. Ce petit camion avec des moustaches qui fonctionnent exactement comme celles des phoques, sauf que ce sont des lasers. C'est l'avenir. C'est ce qui nous attend. C'est génial. L'un des grands miracles de la nature, c'est sa variété infinie. Comme par exemple, le nombre incalculable de techniques avec lesquelles des animaux différents affrontent des problèmes semblables. Prenez le camouflage. Tu peux couper le moteur. On pourrait penser que la robe rayée du zèbre lui sert à bien se faire remarquer, comme un poney en pyjama. En fait, c'est un camouflage multitâche. Les bandes verticales sont hyper efficaces pour se cacher dans l'herbe haute. Et puis, elles brouillent les formes. Quand les zèbres sont en troupeau, les prédateurs ont beaucoup de mal à en distinguer un dans la masse. Tout ce qu'ils voient, c'est un patchwork de bandes brunes et blanches. Bref, la robe rayée du zèbre lui sert à la fois à se fondre dans le paysage et à brouiller les contours de sa silhouette. L'homme a la même conception du camouflage. Imaginons qu'on veuille escamoter ce char. On le peint d'un motif appelé DPM, dans des couleurs conçues pour s'estomper dans le milieu environnant. Le résultat est assez probant. Je suis prêt à parier que vous n'avez même pas remarqué les chars qui se cachaient dans les plans précédents. Je plaisante, bien sûr.
Il se voit toujours comme le nez au milieu de la figure. Surtout si le temps change et que du coup la couleur jure complètement. Il va falloir trouver une solution un peu plus ingénieuse. Cette solution, la voici. La sèche est une championne du camouflage. Elle peut changer de couleur, de forme et même de texture pour se fondre dans le décor. C'est difficile à croire lorsqu'on regarde ces images. Mais toutes ces sèches appartiennent à la même espèce. Elles ont seulement changé d'apparence. Ce camouflage est dit adaptatif. Et il est idéal pour se cacher et des prédateurs et des proies. Mais cette faculté d'adaptation est-elle illimitée ? La sèche mérite vraiment des applaudissements pour sa faculté à se fondre dans divers environnements. Mais est-ce vraiment si difficile de disparaître dans un décor habituel ? D'accord, la sèche peut disparaître sur des fonds d'algues, de sable, de galets et ce genre de choses. Mais comment se débrouillerait-elle face à des motifs un peu plus complexes ? Des motifs un peu dans ce style-là. Je sais, la déco laisse à désirer, mais si elle est hideuse, c'est pour la bonne cause. Se camoufler dans son environnement est une chose. Mais je veux savoir comment la sèche réagit face à l'adversité. C'est pourquoi j'ai choisi des rayures, un damier et un chintz bien rétro. Voyons comment elle s'en sort. Pour la mettre dans l'ambiance, on baisse la lumière. Un petit round d'observation. Et la voilà qui s'attaque directement au plus gros morceau, le sol en damier. C'est incroyable, mais je crois qu'elle tente le coup. Il n'y a aucun doute, c'est bien le début d'un damier qui se dessine. D'accord, il n'est pas bien aligné, mais quand même, c'est impressionnant. Bon, et maintenant ? Un tapis en peau de zèbre. Là, elle improvise. Elle s'écarte beaucoup trop du sujet. Ah, je préfère. Elle est bien assortie à la chaise longue. Vous avez remarqué ? La sèche change d'apparence, non pas en fonction de ce qu'elle voit devant elle, mais de ce qu'elle a sous elle. La question est de savoir si on peut s'inspirer de ce super pouvoir de la sèche pour cacher un char de 60 tonnes. La réponse est mitigée. Les ingénieurs n'ont pas trouvé le moyen de camoufler un tank aussi efficacement. Du moins, le jour, parce que grâce à ces plaques métalliques, ils ont réussi à le rendre invisible la nuit. Oui, je sais, vous le voyez toujours. Et c'est bien là le problème. La nuit, la couleur importe peu. Et si on est muni d'une caméra infrarouge, on le distingue encore plus nettement. Parce qu'il dégage une quantité formidable de chaleur et que notre caméra capte justement les ondes de chaleur. C'est là qu'interviennent les plaques métalliques. Observez ce qui se produit lorsqu'elles sont activées. Le char a complètement disparu. Les panneaux mesurent la température de l'arrière-plan
et reproduisent à l'identique le modèle thermique sur le côté exposé du véhicule. Exactement ce que fait la sèche avec les couleurs. Et comme la sèche, notre char a un deuxième tour dans son sac. Il peut prendre une apparence complètement différente et se transformer, par exemple, en une petite berline familiale. Bluffant. L'invisibilité est un super pouvoir évidemment très recherché. Mais il existe un animal qui réalise l'exploit inverse, celui de rendre visible ce qui ne l'est pas. Voici un martin pêcheur. Juste en dessous coule une rivière tranquille. L'oiseau sait qu'elle regorge de poissons, mais ils sont bien cachés. Il y a en effet tellement de reflets sur l'eau qu'on ne voit rien de ce qui se passe en dessous. A priori, le martin pêcheur n'a aucune chance. Et pourtant... il a embroché un poisson pile par le milieu. Un tel exploit n'est possible que parce que le martin pêcheur est doté d'un super pouvoir... grâce auquel il peut voir à travers les reflets. Mais comment fait-il ? Arrivé à un certain âge, on a besoin d'une paire de lunettes pour lire, d'une paire de lunettes pour regarder la télé, d'une paire de lunettes pour conduire et d'une paire de lunettes pour trouver nos lunettes. Eh bien, le martin pêcheur a autant de paires de lunettes que nous, sauf qu'il les porte toutes en même temps, chacune à un endroit différent du cristallin. C'est pour ça qu'on ne voit jamais un martin pêcheur chercher ses lunettes alors qu'il les a sur la tête. Son œil est même encore plus sophistiqué. Il renferme une série de lentilles colorées qui filtrent des longueurs d'onde lumineuses spécifiques et lui permettent, depuis son perchoir, de voir sous l'eau. Ces lentilles de couleur sont en fait des gouttelettes de graisse. Lorsqu'on grossit 1000 fois l'œil du martin pêcheur, elles deviennent parfaitement visibles. Et leur super pouvoir pourrait se révéler très utile pour l'homme. Voyons les choses en grand. Cet avion représente notre martin pêcheur. Et cet appareil high-tech sera son œil. La caméra fonctionne exactement selon le même principe que les gouttelettes de graisse dans sa rétine. Mais au lieu de guetter les petits poissons depuis une branche au-dessus de l'eau, on va monter à 300 mètres d'altitude. J'en conviens, on donne du fil à retordre à l'ingénieur chargé de manier la caméra, Dustin Medeiros. Aussi a-t-on augmenté la taille des poissons pour lui donner sa chance. De 4 cm, on est passé à 15 mètres. Ce monstre pèse 35 tonnes. Oui, je sais, les baleines ne sont pas vraiment des poissons, mais elles feront très bien l'affaire pour notre expérience.
Les baleines à bosse migrent chaque année entre le Mexique et l'Alaska en longeant la côte californienne. On connaît leur itinéraire, mais par une belle journée comme celle-ci, ça ne nous aide pas beaucoup. Vous les voyez ? Non, pas encore. C'est difficile de voir quoi que ce soit. On est aveuglé par les reflets. Oui, quand le soleil brille ou qu'il est rasant, on n'y voit absolument plus rien à l'œil nu. Pour pallier cet inconvénient, le martin-pêcheur dispose de 4 photorécepteurs différents. D'où nos 4 caméras spéciales disposées autour d'une 5e caméra qui, elle, est normale. Chaque caméra est munie d'un filtre sur le devant qui laisse passer un spectre lumineux spécifique. En jouant avec les différents filtres, on arrive à voir ce qui se passe sous les vagues. D'accord. On se dirige vers l'autoroute des baleines. Cette bande qu'elles empruntent 2 fois par an pour un trajet total de 16 000 km. On devrait les voir se diriger du Mexique vers le nord. Elles voyagent généralement seules ou à 2 et elles remontent pour respirer. Moi, j'utilise mon sens analogique, c'est-à-dire la vue, et vous, ce système numérique. On a beau être 2 à chercher, la chance ne semble pas vouloir sourire à notre martin-pêcheur géant. Et puis soudain... Regardez. En voilà une. Juste là. Ces images prises avec la caméra normale vous donnent une excellente idée de ce que je vois à l'œil nu. Mais si on active nos gouttelettes de graisse numérique, on découvre ce que voit l'œil de notre martin-pêcheur. La mise en parallèle des images rend encore plus frappante l'incroyable différence. C'est logique. On a utilisé un système high-tech qui s'inspire des yeux du martin pêcheur pour pouvoir repérer nous aussi quelque chose dans l'eau depuis les airs. Seulement, on était plus haut, on volait plus vite et ce qu'on cherchait était plus gros. Les applications possibles de cette technologie vont au-delà de la simple recherche de baleines et de dauphins. Des ingénieurs cherchent déjà à l'utiliser pour le sauvetage héliporté en mer. L'année dernière, 5000 personnes ont été sauvées dans les eaux territoriales britanniques. Mais 300 n'ont jamais été retrouvés. Cette caméra pourrait avoir son rôle à jouer. Et ceci grâce au martin pêcheur. Notre dernier miracle de la nature. Je vous ai montré quelques-uns des nombreux exemples dans lesquels la nature nous a aidés à combler un besoin. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir ce que nous réserve l'avenir. Combien de fois encore va-t-on découvrir que tel problème sur lequel on bute depuis des lustres a déjà été résolu par la nature ?